Bonjour, bonjour. Bonjour. Encore cette semaine, on se retrouve pour un bras de fer sur Hearthstone. Oui. Je sais même pas sur quoi ça porte. Je l'ai pas lu, j'ai pas ouvert mon PC de la semaine. En fait, t'es deg parce que la dernière fois t'as perdu, du coup t'as plus du tout retourné sur Hearthstone, c'est ça en fait. Si, j'ai regardé des streams, j'ai vu des potes jouer et tout, mais je sais pas, c'était ma semaine de vacances donc j'ai pas regardé, je suis pas allée sur mon PC, rien. Et ben on va découvrir ça ensemble. Alors. Rester en sommeil pendant des éons, recèle de délicieuses récompenses. Choisissez une classe et nous vous concrétons avec deck ou Mouro pour ce héros. Oh putain, ça va être génial. C'est un deck que tu connais pas, c'est sûr. Avec la nouvelle extension de Hearthstone qui d'accord. est sortie. Alors voyons, on va que ça en plus, que de ça, je pense. Ouais. Bon, tu vas prendre la mage, je suis sûr. Non, je sais pas, ils sont tous bien. Démoniste. Non ? Je sais très mal jouer démoniste. Parce que tu sais bien jouer mage. Bah mieux, tu vois, démoniste, le but c'est de son pouvoir héroïque, c'est tu perds un point de vie mais tu pioches, donc son but c'est de piocher. Moi, ce genre de truc là, tu sais, je suis plus du genre à taper dans le tas, genre ça ou ça. Bah fais chasseur. Mais vas-y, on va faire chasseur. C'est trop bien les... Putain, en plus y'a des putains de cartes pétées là-dedans. Ça va être bien. Je pense que tu vas avoir un adversaire convenable, je sais pas ce que t'en penses. Je pense aussi, ouais. Ouais, je pense. Combien? Ah, je parie rien, mais je le crois. Voici un adversaire qui veut bien venir. Il y a personne aujourd'hui. Il est pas l'heure de jouer. Il est 4h du matin. On a mis une fausse lumière. Ah, c'est un adversaire qu'on a. Étonnant. Et un jour, c'est autre chose. Chasseur. C'est ça. Au moins, on va pouvoir comparer le manière de jouer. Genre. Il s'appelle Lordov. Et toi, tu t'appelles Nonolicorne. Alors ça, c'est trop bien. Et ça aussi. C'est parti. Eh ben, tu vas avoir une parti, carte de... Oh, bah 3. C'est génial. Parfait. Adversaire en train de choisir. Alors attends, avant un nombre d'aura, 1-1 égale à l'attaque de son serviteur. D'accord. Si ça invoque un grand méchant loup plus fort, et ça invoque des rats, autant... 3 rats, quoi. Bah, non, c'est en attaque de rats ou plus si t'as mis une carte qui te fait augmenter, quoi. C'est ça. C'est ça. Alors attends, je prends ta main 2 secondes. Attends, regarde. Oh. Ah, vous jouez la même chose, c'est étonnant. Ah bah, oh, je m'y attendais pas. Alors, détruire un serviteur adverse aléatoire avec 2 attaques ou moins. D'accord. Ouais. Ok. C'est bien, j'en peux dire. Oh, il a mis adaptation. Plus simple. Tu vas pouvoir le détruire avec... Ah bah non, je suis con. J'ai le coquet qui me pique le nez. Ah, bah on va mettre un grand méchant loup. Je suis le grand méchant loup. Quand il meurt, lui il invoque, c'est ça? Bah il devient une 3-2. Ok. Genre c'est la gentille grand-mère, comme dans l'histoire du petit chaperon rouge. Ah oui, je connais. Bah oui. Tu vas encore perdre cette semaine alors? J'en sais rien, on verra bien. J'ai l'impression, hein. Ah, peut-être! Allez, concentre-toi! Ah, je suis fou, je l'avais dans ma main, je l'ai complètement copié. Ça. Est-ce que ça s'est pété? Tu peux pas. Et si tu joues ton jeton, tu peux rejouer une carte 2. Non? Ah oui. T'as un autre méchant loup. Je vais quand même attendre un petit peu. Hop, ça a toxicité, donc du coup ça le tue instant. Peu importe d'accord. le nombre de dégâts que tu lui fais, et du coup c'est pour ça que j'ai mis ça. T'as attaqué la plus forte du coup, ce qui est logique. Ah, c'est pas mal hein. Et ça coûte combien 2? Ouais. Oh, je connaissais pas ça, mais Gogo le mental. Alors, donne 2-2 à une bête. Oh, oui, mais c'est carrément pété en fait comme pour. Ah, donne 2-2 à une bête, j'ai compris. Ah, invoque une bête 2-2. Ah non, ça me donne 2-2 à une bête. C'est pour ça que je. Et tu refais ça dessus, ça lui fait encore plus. Tu peux refaire plusieurs fois sur la même créature, tu penses? Bah, je pense, oui. Ah, la vache. J'en peux péter. Ouais, faut détruire la créature assez vite, quoi. Bah, ouais, voilà. Je vais mettre ça. Parce que ça a la toxicité. Il va toujours l'attaquer et donc du coup il va se tuer. C'est ça. Sauf s'il a un truc genre ça qui inflige des dégâts. Oui, une carte qui inflige des dégâts. Ouais. C'est pas faux. C'est quand tu veux, Michelin? J'avoue.
En fait, ce qui est marrant à personne, c'est que tu vois où le personnage met sa main. Oh putain. Il a eu raison. Ah bah oui, il a carrément raison, putain. Aïe 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 aïe, ça pue la mort. Un petit peu, ouais. T'aimes plus de... Ouais. Les chiens sont de sortie. C'est pas mal. Ah putain, ouais, c'était la crête là. Ah oui, en plus, comme il lui avait mis... Comme il lui avait mis... Là, l'attaque et tout. Ah ouais, du coup, plein de 1, 1. Oh, attends, t'as... Là, tu peux rien jouer. Tu peux jouer ton sort. Ton sort de héros. Ça va être 3 points de dégâts à quelqu'un. Ah oui. Oh putain. Ah, mais c'est juste. Ah là là. Je sens que c'est encore mal parti. Hein. Donc là, je vais faire une série de défaites là. Tu joues trop vite. Tu peux jouer 2 cartes 3. Ouais. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Parce que ça donne plus 1 aux autres serviteurs. Mais il va sûrement me la dégager. Il va sûrement me la dégager. Ouais, c'est sûr, ouais. Il va buter les rats. Et les rats vont l'attaquer. Ouais, ou alors il tape avec ça. Et puis avec un rat. Je sais pas, il fait ce qu'il veut, hein, de toute façon, hein. Merde, j'ai encore perdu. Il y a des chances que je reperde. On va lui mettre. Bien joué. Admirable. Tu le spans. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Oups. Oups. Ça n'a pas vraiment atteint la cible. Mais tu fais admirable. Allez. Le troll. Ah non, il veut plus. Mais non, t'en as trop dit. Ferme ta gueule. Et il fait quoi là? Il réfléchit ou il est mort? Je pense qu'il réfléchit, mais il est loin d'être mort pour l'instant. Ah mais il est mort, la vraie personne derrière son ordinateur. Ah peut-être. Fais tam tam, fais tam tam. Oh là là, le bâtard. Il a raison, il attaque toute que ta créature. Que ton prochain tour, je suis mort. Quand un serviteur adverse attaque, on voit dans sa main pour 2 cristaux plus. Je ne peux pas faire ça. Bah pour l'instant, je vais d'abord tuer ça parce que là, je suis grave dans la merde. Ah, t'as une stress 4. Bah de toute façon... Tu peux jouer un jeton pour mettre une créature 5. Bah ça c'est attaque l'adversaire, c'est non, même pas... Non, tu peux jouer un jeton pour remettre une créature 5. Ah ouais. 2 d'attaque, moi. Ouais, à la limite, je vais faire ça. Tu détruis une araignée. Voilà. Voilà. Je détruis bah, un rat. Et un rat. Un rat, merde. Ah merde. Bah c'était évident, on a les mêmes decks donc... Non mais c'est pas grave après. C'était un petit peu une évidence et là, soit il a un truc... Bah non, bah je suis morte de toute façon parce qu'il a son arme donc du coup... J'ai perdu encore. Ouais, trop bien. Putain, bah alors Nono, je... mais tu joues beaucoup trop vite Nono. Beaucoup trop vite. Ouais, en plus il la booste juste... Bah c'est bon. Bah c'est bon, j'ai perdu. Ah là 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 là. Ah là là, c'est très triste. Quelle série de défaites. Nonox est morte. Oh là là, ça me fait monter dans mes quêtes, mais oh là là, j'ai perdu. Bon alors Nono, qu'est-ce que t'as à en dire? J'ai rien à en dire, j'ai à en dire que soit je suis une grosse merde et c'est sûrement ça, soit j'ai vraiment pas de chance. Et, par contre, la semaine dernière j'ai vraiment pas eu de chance. Mais vraiment, alors vraiment pas eu de chance. C'était même pas forcément de ma faute, c'était que j'ai vraiment pas eu de chance. Et moi je continue à dire, dites-le dans les commentaires qu'elle joue trop vite. Ouais. Je joue trop vite. Et dites-moi, parce que... Je joue trop vite, mais dites-moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Je suis sûr que la semaine prochaine, tu vas gagner. J'ai confiance en toi. J'espère. J'ai confiance en toi. Ah ouais.
Bon, mettez-lui des pouces bleus, ça lui fera plaisir. Ah oui, ça me remontera le moral. Ça me remontera le moral, puis abonnez-vous parce qu'elle sera contente du coup. Elle se dira que grâce à cette vidéo, il y aura du monde à venir s'abonner. C'est ça. Laissez un commentaire pour lui dire si elle joue trop vite ou pas, ou alors si elle a vraiment pas de chance. Ou si, si je joue vraiment comme de la merde, mais faut me le dire, hein. Dites-le moi si je joue comme de la merde, hein. Faut que je sache. Mais non, les commentaires, mais non. Les commentaires. Les reproches servent à s'améliorer ou quelque chose comme ça. Exactement, les commentaires constructifs servent à s'améliorer. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Allez, à ciao les gens. Bisous. Bisous.